Histoire, c'est une racine sans bout. Parole, tout c'est l'ouverture. Mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce qu'on rappelle, avant même Duvalier, t'es quitté pays, hein? T'es gué un groupe Ongan, li t'es réuni dans le palais national. Et Ongan, ça, yo, t'es expliqué, après le fin qui t'es tête pays, hein, qui ça qui pourra le passer? Malédiction sous pays, hein, et combien de temps ça apprend pour pays d'Haïti arriver libéré? Gen un journaliste qui relait Hardy Jean Gardi, dans l'époque ça, t'es jeune petit garçon dans 20 ans, t'es gen chance assister ensemble avec séance ça, bien que yo pas de quitter l'entrée dans grand salle là, mais t'es gen yon responsable yo qui t'a expliqué tout ça qui t'est passé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, citoyen ça, a fait gros révélation, expliquer tout ça qui t'est dit, tout ça qui t'est fait, l'esprit qui t'est monté, et combien de temps qui restait pour Haïti libéré? Parce que, je ne j'en dis, nous capables, dans quelle situation pays a trouvé? Râler chez ou chita, ou prendre le temps de causer, oui. Bagaille en pile, et yo bouleverser l'esprit. Déjà, m'a dit, mettez vêt de l'eau disponible. Restez là. Ce ministre Berto Danse qui a fait causer dans la République. Oh my godness. Femme dit, ou? Ministre a débarqué dans la ville au Cap. Rive dans restaurant la caille pendant la manger gen deux jeunes petits garçons cap gadel dans yeux ministre anti Jean estomaqué gentil proverbe créole l'a dit assassin toujours suspect s'entendé a li pral prendre des petits messieurs li mette yo dans prison ou peut-être ça seulement mais si gen moun ki pou pata ka gade moun nanje c'est ministre Berto Danse c'est pas vrai parce que lui-même il te mette dans prison déjà pour drogue. Et la Maria est tellement belle pour lui, lui fait changer nom. Mais, qui s'est passé qui fait, depuis deux semaines, Izo prend contrôle parquet, ministre justice là, pas jamais pointé douette lui. Même gade le pas gade bandi yon nanje, et puis c'est au cap là, le pose action comme ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'bra l'expliquer ou, gentil proverbe créole l'a dit, dent pourri, ge force sous mon ennemi. Ah, ah, qui te paye en repos pour pas mourir dans poto. Yon nom comme ça, chita, chita, la bombe d'elle. C'est pas bon d'en gaffer ça. Oh oui! Premier ministre Ariel Henry rive Suriname. Yon journaliste qui posait le question sous dossier insécurité à cap ravager pays d'Haïti. Mes amis, réponse paye Ariel. Bye, journaliste, là, c'est payé poté. Ou bral tende, oui. Gentil proverbe créole l'a dit, Georges cherché, Georges trouvé. Et c'est sous parole, ça m'a dit, ou bienvenue. Pendant m'a invité à prendre les chaises ou chita, faut qu'on s'amuse, et faut pas rentrer la caille ou c'est un plaisir. M'bral ba ou tout tripotaille ça ou nan bon ti mamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'a dit, ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer, et merci pour fidélité ou ak patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage la vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous tombez sous channel là, pas hésiter à activer cloche de notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Ses amis Pau Foucault. Nous t'ai quelque chose présenté ou yon petit compte aïe. Et compte ça qui c'était, mon passé dans la cou, mon ouais tout mon à genoux. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse sans c'est pour cap lever. Un petit cri-crac pour nouveau compte nous gagner. Château accrasé par des pièces moun qui ka arrangel. Château accrasé par des pièces moun qui ka arrangel. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. On pas vu demander ou nan qui est sous quoi. Ni qui moun ou a prié. Mais, il y a des situations trouvées ou. Faut chercher. Faut bousquer. Faut frapper toute porte pour qu'on ait qui ça ka passé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça fait longtemps, n'attendais qu'il y ait une prophétie, pendue sous tête pays d'Haïti, et c'est depuis sous président Jean-Claude Duvalier. Et un bon matin, président Jean-Claude, besoin qu'on ait, qui ça l'avenir dit, sous famille, sous lit, et sous pays d'Haïti. Il réunit divers ougans, dans le palais national, il réunit des voyants, pour venir dire qui ça qui pral passer. Mais souvent, là on débarque, là on voit un débarque, il vient dire des causes.
c'est pas cause que yo fabriquer au vinzou. Mais c'est eux même qui ou pide devant pas ça, yo pas expliqué ou. Et des fois les pas expliqué ou là m'pa caché di ou. Hadje la vie ça ou. Li kon difficile pour comprendre. Donc les ça sou pas mettre tête ou sous épaule ou pour que ou casse tête tourner pour aller faire des sacrifices, mande pardon. Donc bagay yo kon vraiment vraiment difficile pour. Mais moi même je m'ap gade bagay yo là, moi toujours dit son seule prophétie qui pas ka détourner. Son seule prophétie vraie la privé quand même. Parce que est-ce que Satan lui-même nan niveau rivé là, li pral prier mande bon Dieu pardon pour faire grâce pour parler dans l'enfer? Est-ce que nous comprenons bagay yo? Mais tout ça qui dit sous tête la vie yon citoyen, yon être humain, bon, m'pense que des bagay que le café qui capable bloquer mal ça, qui pendje sous tête li. Eh bien, dans l'époque, sa frère et soeur bien-aimé, gen yon jeune journaliste qui rele Hardy Jean Gardy. Donc, à l'époque, li tap travail. Et, dans majorité gros spectacle sa yo, li te kon toujours al participer, al faire reportage, etc. Jou sa, te kite gen yon gros cérémonie qui tap fait en dedans palais national, eh bien, qui ça qui pourra le passer? L'elle rive devant, il était dans vingtaine ni, et on gros autorité qui dit le comme ça, ou pas qu'à rentrer nous? Bagay ça trop pour la joue. Ou pas qu'à rete dehors. Mais, à condition, l'elle que me sauti, m'a expliqué ou tout ça qui t'est passé. Donc, effectivement, l'elle que séance n'a fini, autorité ça qui te dit le rete dehors, immédiatement, séance en fini, m'a capable d'expliquer ou, li kebe promesse li, l'el sorti vrai, li explique l tout bagay. Mais à condition, tout autant Duvalier vivant, pi gorge jam répéter bagay comme ça. Tout autant Duvalier vivant, pas sorti livre sous dossier comme ça. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, dans yon interview, te gagné dans télévision Métropole, citoyen si la, gen chance expliquer tout détail, dit qui va les prophéties qui déjà passé, combien qui était et combien de temps ça prend tout pour pays d'Haïti capable libérer. Frères et sœurs bien-aimés, moi invité vous suivre avec un pile attention. N'a tourner pour commenter yo, t'allez comme ça. Écoutez, ces prophéties venaient de la part des gens qu'il avait invités à le rencontrer le 16 janvier 1986. Il faut dire que pendant cette période, le peuple manifestait et réclamait la chute de Duvalier. Alors, il avait entamé une série de consultations auprès de tous les secteurs. La conférence épiscopale, il avait rencontré les évêques, ensuite la conférence des pasteurs protestants, et le 16 janvier, il a invité les Ongans. Et il y avait 7 qui sont rentrés, qui sont venus le voir et discuter avec lui. Et ils sont arrivés au palais national à 9h du matin. Et vers 3h, ils ont laissé le palais. Non, mais est-ce que c'était pour une séance de, comme on les appelle, une séance de cartomancie, par exemple? Est-ce que Duvalier était les Ongans venus battre 4 poulets pour dire les 4 vérités? Non. Pour dire ça, quoi le passé? C'était justement des consultations. Des consultations. À l'époque, moi, j'étais directeur général de Télé-Haïti. J'étais directeur général de la télévision privée par câble. Et j'étais dans ma vingtaine, donc j'étais aussi directeur de l'information à la télévision. Et j'étais présent, j'allais souvent couvrir ces événements. Et je savais, par exemple, que quand il voulait rencontrer les évêques, que Monseigneur Gagnon n'était pas, du Cap Haïtien, ne voulait pas venir, n'était pas venu. Monseigneur Constant des Gonaïves non plus n'était pas venu. Et donc je couvrais ces événements. Et ce jour-là, c'était pour rencontrer des Ongans, pour rencontrer, discuter avec eux, pour essayer de comprendre et qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et c'était pas forcément pour entendre des prophéties. Et il a été d'ailleurs étonné, selon ce que j'ai compris, pendant que j'étais pas dans la salle à ce moment-là, mais je les ai vus rentrer. Et l'ambassadeur Théo Duval, à l'époque, qui était un mulâtre brillant, intelligent, et qui était en Hollande, était rentré et il m'avait dit, écoutez, vous pouvez pas rentrer dans cette salle, mais peut-être qu'après, je vous dirai un peu. Et je crois qu'il a tenu promesse. C'est-à-dire, il a tenu promesse, il m'a dit plus ou moins quelques informations sur cette réunion, mais il m'avait demandé à l'époque
de ne pas les révéler. Il a dit, écoutez, si vous voulez les révéler un jour, il faudrait le faire après la mort de Duvalier, si ça arrive dans plusieurs années. Mm-hmm. Alors, évidemment, moi, à l'époque aussi, il faut dire que moi, je ne croyais ni au Dieu ni au diable. Mm-hmm. J'étais un libre penseur, et d'ailleurs, la plupart de mes amis... Bon, j'avais... C'est parce que vous étiez jeune, peut-être. Oui, ouais, j'étais dans ma vingtaine, mais la plupart de mes amis avaient déjà dépassé 40-50 ans. C'était Roger Gaillard, qui était d'ailleurs athée. C'était Franck Étienne aussi, libre penseur, et, ou encore Rassoul Labuchin. Donc moi, ces gens que je fréquentais d'ailleurs, qui étaient plutôt à gauche, ne croyaient pas non plus dans aucune forme de superstition. Et moi, personnellement, comme je te dis, j'étais libre penseur. Et je ne croyais pas dans tout ce qu'on m'avait raconté, mais j'avais pris des notes. Et ce qui s'est passé, c'est que des années après, j'ai découvert que la plupart des choses qu'on avait annoncées, c'est-à-dire peut-être que je n'y croyais pas, mais se sont révélées vraies. Mmh. Le 16 janvier, ils ont dit à Duvalier qu'il partirait dans 21 jours. Et s'il ne part pas, il mourrait. Mmh. Et ça s'est passé exactement 21 jours. On ne lui avait pas dit qu'il avait des possibilités d'organiser des élections ou... On lui a dit qu'il aurait dû organiser les élections avant, mais qu'il ne les avait pas réalisées, comme Ferdinand Marcos. D'ailleurs, ce nom a été cité lors de cette rencontre. Et Ferdinand Marcos des Philippines, on lui a dit aussi que dans 21 jours, Ferdinand Marcos tomberait. Et le 7 février, effectivement, le président des Philippines est tombé du pouvoir, ainsi que le président d'Haïti. Et on lui a annoncé qu'évidemment, il a 36 ans. Et à l'époque, en 1986, il avait 36 ans. Et il lui avait dit qu'il aurait dû passé 36 ans au pouvoir en tant que président à vie. Et parce que Duvalier aurait, lors de rencontres évidemment ésotériques, souhaité avoir 57 ans au pouvoir. Mmh. Il lui a dit donc que 57 ans après, évidemment, 1957, il mourrait. Et on avait annoncé ce genre de choses et qui, pour moi, paraissaient un peu bizarres. Jean-Claude Duvalier mourait 57 ans après 1957. Après 1957. Donc ça fait 1994, non ? 2014 alors ? Absolument. C'est-à-dire que 2014, mais après son départ, ça veut dire qu'on espérait évidemment qu'il garde. Non, alors 1957, 2014. Ça fait pas 57 ans, non ? Oui. Ça fait 57 ans ? C'est 57 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui. OK. Donc, c'est ce qu'on lui avait annoncé. Peut-être qu'il non, on lui avait dit aussi qu'il allait mourir 57 ans après? Qu'il allait mourir 57 ans après. C'est pas ça qui s'est passé? C'est exactement. OK. Exact. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé encore, c'est qu'on lui avait dit qu'il devrait passer 36 ans et qu'à 36 ans, il devrait partir. Donc, c'est-à-dire, on est rentré carrément dans ce qu'on appelle la numérologie avec lui. On a fait donc ses calculs. Et il y a eu donc, pour moi, de très drôle de coïncidence. Ça veut dire que ces coïncidences, moi, m'ont permis de comprendre qu'évidemment, je détenais des informations qu'on m'avait communiquées depuis l'époque où j'étais donc journaliste de télévision et qu'il fallait absolument révéler. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre. J'ai un livre de 400 pages sur cette période qui s'appelle « La chute de Duvalier » et je rapporte dans ce livre, évidemment, tous ces éléments-là. Et ce livre va être publié pendant l'été. Mmh. Et je crois que aussi, pour revenir sur ces prophéties qu'on avait à Duvalier, qu'on lui avait annoncé, parce qu'il avait demandé, il souhaitait savoir, mais qu'est-ce qui va arriver après lui. Mmh. On lui avait dit que Henri Christophe allait devenir président de la République, il n'avait rien compris. Mmh. Et qu'on lui avait dit aussi que immédiatement après, qu'il y aurait donc le général légitime, qu'il y aurait le général Boiron-Canal, qu'il y aurait le trait d'une femme, peut-être la femme même de Jean-Jacques Dessalines. Donc des choses codées que personne ne comprenait. Mmh. Et on a annoncé après cela qu'il y aurait... Attends, quand il a cité les noms de Henri Christophe, de Boiron-Canal et autres, est-ce qu'ici on pourrait tenter de parler de réincarnation ? Pas forcément, pas forcément. Et ce serait plutôt des incarnations. Oui, pas forcément de réincarnation. Mmh. C'est vrai, par exemple, que Herta Trouillot, on avait dit que la femme de Jean-Jacques Dessalines va devenir président d'Haïti. Herta Trouillot s'appelait, c'est vrai, Marie-Claire Heureuse Herta, c'est son prénom. Et elle a épousé Jean-Jacques Dessalines Ernst Trouillot. Donc, c'est-à-dire que c'est des coïncidences assez bizarres. Et que Duvalier n'avait pas compris. Duvalier n'avait pas compris au départ. Et surtout, Henri Christophe n'avait pas compris. Mais c'est ça vrai. Ça allait être Henri Nanfi. Ça allait Henri Christophe Nanfi. Mm-hmm. Donc, c'est le prénom de Henri Donc, Christophe. Donc, qui rapportait, qui disait ça à Les Ongans ou bien Les Ongans. Il y a eu un esprit. Est-ce que ces Ongans étaient chevauchés par des esprits, par des lois,
en annonçant ces informations à Jean-Claude Duvalier. Ils étaient tous possédés, selon les informations. À ce moment-là. Au Palais National. Au Palais National même. Ils étaient possédés et ils racontaient au président de la République, il y a eu un esprit qui est arrivé, et d'ailleurs, c'est ce que m'avait rapporté l'ambassadeur Duval à l'époque, qui s'appelait Olicha. Olicha, qui s'est déclaré inspecteur général du monde des esprits dans le panthéon du Vaudou. Moi, je crois que j'ai été, par exemple, en Afrique, j'ai été au Bénin, j'ai retrouvé le même Olicha dans le panthéon vaudou du Bénin. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, donc, ces informations ont été communiquées au président de la République, qui voulait savoir, évidemment, de ce côté-ci. Et c'est vrai également que les Illuminati, c'est-à-dire les Illuminati de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix, n'avaient pas été invités par Duvalier pour savoir ou pour approfondir ces éléments. Mais, disons, les éléments africains, ça veut dire les esprits africains qui chevauchaient ces personnages, auraient rapporté à cette époque un ensemble d'informations que nous avons vérifiées sur la base de l'information insolite. C'est-à-dire, l'information insolite nous a permis de faire des enquêtes, deux formes d'enquêtes. L'enquête sur les personnalités, les noms qui avaient été cités, et une enquête journalistique sur la base aussi de la généalogie, pour comprendre plus ou moins ce qui s'est passé et ce qui allait se passer dans ce pays. Quand on a dit, par exemple, quand on a dit à Duvalier en 86, et moi j'avais noté tout ça, qu'un jour arriverait au pays comme président l'instant Saint-Fort de Pradines, et il avait dit un danseur de carnaval va devenir président de la République. Et il a dit aussi que l'instant de Pradines, c'était le chef de cabinet du président Alexandre Pétion. Et il était assisté par Laurent Michel Vieux. Et après, donc j'ai regardé plus ou moins dans cette enquête généalogique et dans cette enquête aussi par rapport à ce qui avait été dit à l'époque, ce qui se passe, ce qui s'est passé après. Et c'est vrai que le grand-père de l'actuel président d'aujourd'hui, c'est Monsieur de Pradines, c'est Monsieur l'instant de Pradines, le chef de cabinet d'Alexandre Pétion. D'ailleurs, le fils de l'instant de Pradines, qui s'appelait Saint-Fort de Pradines, est devenu président de la République d'Haïti provisoire en 1870, le grand-père de M. Martelly. Et quand je lui avais dit, il était même très étonné. Et je crois aussi que le chef de cabinet, assistant chef de cabinet de Pétion, qui était Laurent Michel Vieux, et c'était aussi donc l'assistant de M. de Pradines. Donc le petit-fils de M. de Pradines est devenu président de la République, et son premier ministre a été Laurent Lamothe. Et je crois qu'il est directement le fils de Michel Vieux. Et parce que, bien entendu, il faut prendre... La généalogie est très courte, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire, sur cet aspect-là, je ferai rapidement. Mm-hmm. Quand, par exemple, on voit M. Lamothe, son arrière-grand-père, c'était Laurent Michel Vieux, le chef de cabinet assistant de M. Pétion, et du président Pétion, et évidemment, il a donné naissance à Beaubrun Vieux a donné naissance à Constant Vieux, et Constant a donné à Glaé Vieux, la mère de Laurent Lamothe. Donc cette généalogie nous prouve évidemment qu'il y a des éléments extrêmement importants dans ce qui avait été raconté en 86, alors que c'était à l'époque un enfant. Est-ce qu'on n'avait rien prévu pour celui qui va être le successeur de Michel Martelly? Je crois qu'aussi, ils ont annoncé, par exemple, un nom comme Lysius Félicité Salomon Jeune. Mais personne ne sait qui c'est. Mais le plus déroutant dans tout ça, c'est qu'on avait annoncé qu'il y aurait quand même un tremblement de terre. Justement, j'allais en parler avec vous, et pour avoir eu la possibilité de lire l'article. Et ils avaient prévu... qu'il y aurait 300 000 morts. Ils avaient annoncé le 16 janvier 1986 au Palais National qu'il y aurait dans ce pays 300 000 morts lors d'un tremblement de terre et qu'il y aurait beaucoup de catastrophes. Ils avaient dit aussi à Duvalier ce qu'il aurait dû faire. Ils avaient fait des demandes, mais Duvalier non plus ne croyait pas à tout ce qu'on racontait. Oui, c'est des raconteurs bobards. Des balivernes. Balivernes, oui. Ouais. Mais il semble... qu'ils aient prévu une autre catastrophe. Ils ont prévu une autre catastrophe avec 825 000 morts. Et là, il y aurait donc trois jours, suivis de 8 mois vraiment de désastre. Je ne sais pas quand. C'est-à-dire, ce sont des prophéties qui vont aller jusqu'à 2036. Donc, de 1986 à 2036. Donc, c'est-à-dire tout un ensemble d'éléments que j'ai rapporté dans ce journal enquête. J'étais journaliste, dans ma vingtaine, j'avais entendu un ensemble de choses qui, aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. Quand je retrouve mes notes, que je les compare, je les regarde, je me dis, écoutez, il faut absolument qu'on voit cela avec beaucoup plus de sérieux. Mm-hmm. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2014. Et ça s'étend sur une période qui arrivera à terme en 2036, vous avez dit. Mm-hmm. Donc, nous sommes encore dans le timing. Ils ont même annoncé que en 2036, c'est-à-dire, ils avaient dit que 20 ans après votre mort, ce qu'on avait dit à Duvalier,
que l'un de ses fils, parce qu'il paraît qu'il a deux fils, l'un d'entre eux se portera comme candidat candidat à la présidence d'Haïti. Ce sont des informations qui méritent d'être relues. Ok, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir sur les bonnes choses évoquées ou encore prévues par ces Onguent? Parce que là, on ne parle que de la mort de Duvalier, des catastrophes, 300 000 morts, ensuite plus de 800 morts. Mais Haïti, est-ce qu'ils ont dit qu'Haïti restera toujours ce pays que nous connaissons nous-mêmes maintenant, un pays pauvre, un pays, dit-on, trop riche pour être pauvre, mais pauvre quand même? Non, au contraire, ils ont annoncé une grande prospérité. Une grande prospérité après les désastres. Il y aura une grande prospérité dans ce pays, et comme au temps de Salomon d'ailleurs, Haïti est un pays riche, très très riche, au temps du gouvernement de Salomon. C'est-à-dire, d'ailleurs, on était tellement riche qu'on finançait d'autres pays, et on faisait venir, d'ailleurs, les Syriens, les Libanais, les Arabes venaient ici pour travailler, parce qu'on avait du travail pour eux. Et je crois que cette ère de prospérité va revenir dans ce pays. Haïti va redevenir très très riche, et ce sera comme une perle pour le monde entier. C'est-à-dire, il ne faut pas désespérer de cela. Cependant, c'est à nous de travailler, d'être conscients et d'arrêter aussi, d'arrêter d'être pessimiste, d'arrêter de dire « Ah, il ne sait pas qu'a fait ci, ah, il ne sait pas qu'a fait ça », parce que, avec, bien entendu, c'est ce qu'ils avaient raconté aussi, qu'autant de fois que vous racontez des choses négatives, vous allez attirer le négatif. Est-ce qu'ils ont aussi expliqué les causes des malheurs de Jean-Claude Duvalier ? Ah oui, absolument. Il a perdu le pouvoir ? On lui a dit que, premièrement, il devait garder sa mère comme gardienne de la Révolution, car selon eux, il semble qu'après la mort de Duvalier, de François Duvalier, le jeune Jean-Claude avait été emmené à 18 ans à l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, où il aurait reçu la bague de mariage de son père, et on lui avait mis ça au doigt en lui disant « Vous pouvez avoir des enfants, des femmes, tout ce que vous voulez, un harem, mais pas de mariage. » Alors il a décidé de se marier à 29 ans, et de changer, évidemment, le pacte qui aurait été signé à cette époque. Mmh. Et ceci a engendré un ensemble de problèmes, car il y avait aussi au Cap-Haïtien un certain Marcel Étienne, un Illuminati, qui avait annoncé à Duvalier que ce serait la plus grande erreur de sa vie. Mmh. Et il avait assumé et décidé par amont de commettre cette erreur, entre guillemets. Mmh. Vous avez écrit à 29 ans, Baby Doc, en 1980, aurait décidé de se débarrasser de cette bague et aurait pris la décision d'épouser son premier amour, celle qu'il rencontra sur les bancs de l'école secondaire au collège Bird. Absolument. C'est ce qui avait été rapporté à l'époque. Et pour moi, je prenais ça aussi comme des balivernes à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, je regarde de près ces notes. Et quand je les regarde, je me sens parfois pas effrayé, mais je me sens réconforté de savoir que Haïti va devenir une nouvelle Haïti, une Haïti riche. C'est la seule information qui vous plaisait, apparemment. Je cherche toujours ce qui est positif. Mmh. Ce qui est négatif ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses négatives, des choses qui sont arrivées. Moi, je ne fais pas partie des Haïtiens qui désespèrent. Je fais partie des Haïtiens qui se battent pour que, justement, l'engagement pris par nos ancêtres soit respecté. Éternel papa, bagayou pas petit du tout. Non, bagayou pas petit, si mieux comprendre là. Nous, là, pour juste 2035, 2036. Bagayou pas petit, même nos frères et sœurs bien-aimés. On nous en 2022. Il y a une douleur toujours. Il y a tout. Donc, nous sommes capables de comprendre. Dans l'époque, ça a été bon, tout te ouais bien. Et là, c'était un bon esprit. L'esprit n'a pas de mélange dans toute l'audience dans le pays d'Haïti. Je vous l'ai dit, on poste une vidéo pour eux. Et pour une série de monde qui dit comme ça, bon ou grand, oh oui, y a un fort riche, y a un bobolette, etc. Bon. Ou ka fè moun riche, ki sa k fò pa ka fè tèt riche? Non, est-ce qu'on pa gen ti fanmi pou bay boul bolèt sa pou la le jwe? Retire ou nan mize, retire ou nan tout mot, jan peyi d'Haïti di, frèz et sœurs. Tout jounen ou a moun nan go mesaj li monte bling, bonga ki sa sa, meni me rom, kontakte m. Bon, jounen jodi a tellement gen ou gan sou rezo sosye sou magay a pa. L'esprit a pa ta ka arrête vre, parce que moun konnen l'esprit. Ak l'argent bagay sa ou pa mache. L'esprit ensemble avec sexe bagay sa yo pa tellement trop fauté, yo pa tellement trop collé dans la vie. Pou moun nan dou li gen l'esprit le ka boule bolette à gauche à droite et puis toute journée la plume. Toute journée sur les réseaux sociaux la pèsi toujours gen message sa bien écrit de ton côté. Bon, imaginons c'est dans période ça, Duvalier te réunion ensemble de Ougan.
pour dire, pour expliquer qui ça qui va le passer. Ou quand on va tap 4 ans, hein? Parce que on tap dit Duvalier, ça l'envie d'en déa, et pourtant, c'est pas ça. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, bagay yo compliqué dans le pays d'Haïti. Bon, qu'on y a là, pays ça là pour le délivrer jusqu'à ce que une race ancien président, une race président Salomon jeune, hein, monte dans tête pays, laisse ça pays à vin unifié, tout bagay pral fait. Bagay yo compliqué, ou frères et sœurs bien-aimés. Non, bagay yo compliqué. Donc, les gros pays qui te fin indépendant, gon série de bagay, nan fè bêtise, fè vie politique sale, n'oublie esprit yo. Donc, c'est normal pour n'a pas se mise dans l'état ça. Parce que, l'on prend pays les États-Unis, moun sa yo, yo pas jamais kate des ancêtres yo. Non. Ge bagay kap ge pou passe nan pays ya, fok yo konne, oui. Fou yal check les ancêtres yo pou konne ki sa yo te fait. Comment est-ce capable de panier de malheur? Mais d'abord, ici, nous seulement contentons, nous courir prendre pouvoir. Et puis après ça, on est encore. Donc, courir de pouvoir, c'est une. Mais faut que nous songeons, président qui était là, qui engagement, on te prend sous tête pays. Même si on a des timons, nous qu'on a gardé. Si nous qu'on rete le levon bon matin pour aller péter courir le fou. Que des mamans qui pas de café petit et puis, qui a fait une interpellation, créé un esprit carrément. Li di esprit a des poubam tel petit pral fait tel bagay pour. Là qu'elle fin ge petit li, eh bien, ça te di esprit a, li pas respecté le kounya sa pral agi sou ti moun sa. Gede ti moun ou pa konn kwaze ti moun nan tellement désordre tan kouti démon. Ou pa konn ki sa grand moun ni te fait a ki dlo te bel. Donc ça qui konn passe parfois grand moun nan pas expliqué ti moun nan ça. Et puis, s'entendez, ya. Si moun nan li même la passe misère. De même, gon série de gros sacrifices qui fait pour pays d'Haïti, gon série de gros esprits qui te relè. Donc, nous pas respecter ça, nous te dit ensemble avec yo. Nous humilier yo. Nous mépriser yo. Et puis, journée jodi, ya. Gade nan ki ça nous tombe. Bon, on t'a souhaité temps passer vite et puis pour nous tomber dans Haïti, li douce là. On comprend pour pays ya reprend normalement. Pour que l'économie soit capable de relever, pour que l'autre nation soit capable de respecter nous tous. Donc, l'essentiel, c'est travail pour nous travailler. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous pour journée aujourd'hui. Hein? Son bagage extraordinaire. Hein? Pendant qu'on a ramassé cadeau pour la mariée. Oui, son mariage mal suit, frères et sœurs bien-aimés, j'en ai regardé l'image ça. Pendant qu'on a ramassé cadeau pour la mariée, on a passé comme ben, on a ramassé l'argent. Et puis, une femme qui saute côté le sorti, non, panier qui t'en a, mais, monsieur, lui déposait un petit bébé. Ça, c'est cadeau le fait, monsieur. Hein, lui déposait un petit bébé. Lui baille, monsieur, un petit bébé. Ah, et cadeau le fait, bon. Mais peut-être, lui, quand on est madame Maria, pas qu'à faire petite. Lui baille, un petit bébé. Aïe, 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 donc. Ou même qui femme qui t'a en position, ça, pendant qu'on est marié carrément, n'est-ce pas, pas de jambe d'où lui, il est petit d'ailleurs. Il a toujours dit ou li fidèle ensemble avec ou li pa gen aucune autre fille. Et puis pendant yon a ramassé l'argent pour dans l'église là, c'est gado ou l'autre femme vini, li déposé un petit bébé. Ou mi c'est gado ou l'autre femme vini, li campé nan prête porte là par en bas et puis il dit al jeune papa ou. Qui sont t'ap fait? Est-ce que ou pas t'ap marié encore? Est-ce que ou t'ap continuer vivre ensemble avec nèg là? Est-ce que ou t'ap continuer vivre dans plaçage ensemble avec nèg là? Est-ce qu'on t'a sorti avec, oui, je suis marié, et pour le meilleur et pour le pire, ensemble avec dans l'église là? Est-ce que, ou t'as commencé à battre nèg ça, depuis l'église là? Pas hésiter, quitte commenté par ou, dis-nous, qui ça ou t'as fait? Frère, c'est ça, bien aimé, nouvelle ça a choqué la République. Mini justice là, Berto Dorsey, selon information qui arrive joindre nous, débarqué dans la ville au Cap. Il va arriver au Cap et puis il allait dans un restaurant, la caille. Un si bel restaurant, un bon petit bagay, femme au Cap, I love you so much. Non, yo kon dis de wet yo. Ça, pas de menti là-dedans. Eh bien, qu'est-ce qui passait? Il va arriver dans un restaurant, il y a deux citoyens qui ont gardé mini justice là.
Y a gardé donc son autorité qui sorti Port-au-Prince, faut me ca garder, faut me ca étudier. Ça veut dire si me contrer mini justice là pour me ca garder l'ange. Et même dans corruption ensemble avec ministre là, ça que fait me pas ca garder dans yeux. Ministre ça que fait ou pas ca garder dans yeux s'il vous plaît. Non faut ministre dit nous qui ça que fait ou pas ca garder dans yeux. Avec des pio garder dans yeux ou suspect. Mais non, au contraire, c'est ministre qui pas ta supposé garder mon dans yeux. Pas c'est ministre. Tu te souviens? Ou fait n'importe 6 mois dans prison pour dossier drogue. Mais moi, je n'ai pas aucun dossier sous dos, ça fait que je garde dans les yeux. Et le pire, dernièrement, on fait changer nom. Ou changer nom carrément dans l'archive nationale, tout papier honnête. Oui. Et puis, quand il y a là, je n'ai pas garde dans les yeux. Ça fait que je n'ai pas garde dans les yeux, ministre, expliquez-moi. Et on compte ça grave là, frères et sœurs bien-aimés, côté d'un pourri de force sous mon ennemi. Plus passé 2 semaines depuis bandi ils ont pris un paquet en otage. Jusqu'à présent, ministre n'a pas qu'à garder ti monsieur dans yeux, non? Hein? Li pas qu'à prendre aucune décision contre ti monsieur pour dire ti monsieur, posez-nous. Retirez-vous nous là, la pas là nous pour bailler ti monsieur mon impiècio. Pas jamais une décision qui capable prendre. Pas jamais une réponse qui bail. Et puis, quand il y a là, c'est non, non, pour aller faire sort ou contre l'esprit moun. Frères et sœurs bien-aimés, en retendant audio ça, comme ça nous va comprendre pour qui ça, ministre, là, mettez-y, messieurs, yo, dans garde à vue. À nous suivre. Position que d'arrêt. Hier soir, madame la caille, c'est moi, parce que c'est moi qui pour nous remarquer qui va. D'accord. On est là, vous, une bonne, à qui l'heure? Je vais vous montrer pour vous. Laissez-nous laisser ça. Après ça, mon petit dame a parlé dans les oreilles avant que je ne fasse mon cigare pour vous montrer que vous avez un risque. Je vais vous montrer la police là, dans l'autre monde. Après ça, On a des biens dedans, monsieur, forcément, pour me mettre le téléphone. L'entraîne de photo, il garde des photos. L'entraîne de message, il garde des messages. Vous avez fait photo à ministre? Non! Pour que ça, il mette mon téléphone là, parce que c'est un bâtiment. Vous comprenez? Pour que ça, c'est ça, qui est complet. Mais qui motive l'arrestation, là, qui arrive sur l'autre? Quand on a l'hôpital, c'est là, nous, il veut là, nous demandons de nous rester. Mais ça, c'est pas là. Non, il faut
voyez, chef. Parce que nous avons le chef qui est relatif, nous avons le téléphone. 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 Peut-être tu as regardé, ça veut dire nèg ça ou pas regarder aux yeux, c'est la dictature. Pas regarder monsieur aux yeux. Ou quoi Ariel pas regarder l'ange baisser tête ou aller. Pas regarder aux yeux, sous regarder l'ange le camancho, bon si nèg yo ka fait chemin coché à président et ou même on simple citoyen. Si nèg yo ka nan drogue après ça yo changer non yo et ou même simple citoyen passer sous un gros en détail. Ça veut dire la côté monsieur ça ouais pas passer là du tout. Zeb pas pousser. Côté autant de yon membre dans gouvernement actuel là dans yon zone ou même c'est bay zone sa blanche pas arrêté là yo ka éliminer dans n'importe moment. Attends, comment te ka comprendre pour mini justice son côté pour pas ka garder dans yeux? Eh bien mini justice son même son psychopathe. Non expliquez mini justice ou frère c'est bien-aimé. C'est moun de capable dit population t'a supposé waouh regardez ministre là. Mes amis, bon travail ministre. Regardez nos paysans t'a supposé bon côté ou manger ensemble avoir au frigo à gauche parce que ou fait un travail extraordinaire dans pays. Moun qui mérite justice ou pas justice, ça qui mérite prendre prison mettez-le en prison. Regardez nos gon respect gon kè content. Nous rappelons nous dernièrement les que eh bien commissaire Muscade t'a rentré dans l'église là. Pendant fête patronale là ou pas gentil moun yo content mes amis gardez commissaire gouvernement mes amis gardez mais qu'est-ce qui muscadé oui wow! Yo content yo senti que yo senti en sécurité dans l'église là yo senti yo pas peur rien parce que présence muscadé seulement qui en dedans l'église là yo senti yo rempli même si prêtre là pas dit rien mais ouais yo senti yo satisfait mais pour mini justice débarquer en côté peut-être yo garder le danger seulement. Il fait marre nèg maintenant dépôt. On va traquer pour la vécaïté par Borisi. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquets, et c'est celle volée au caprété. Notre cher premier ministre Ariel Henry quitte le pays d'Haïti, là, les Suriname, là, il participait dans la 43e réunion, donc, tout membre gouvernement, CARICOM, yo. S'entendez, hein. Gayon journaliste qui posait premier ministre la question, sous dossier insécurité à cap ravager pays. Eh bien, premier ministre la répond, cause insécurité, hein, c'est parce que la police et la justice n'ont tete langue ak bandi. Si la justice et la police n'ont tete langue ak bandi, premier ministre Ariel Henry, pour qu'ils soient pas révoqués chef police là? Pour qu'ils soient pas révoqués ministre justice là? Si la justice ensemble avec tendez bien oui si la justice ensemble avec la police dans tête et langue avec bandi pour qui sont kembe pour qui ça yo la PM non c'est pas une façon tout contre l'esprit moun moun qui mini justice là ancien drug dealer avocat ou avocat et Dimitri Vob mais non PM pas ka comprendre PM fume depuis na sou attendez pas la tête ou rempli dans bail moun yo non de quoi leur arriver pour dire exactement. Mais qui problème pays d'Haïti gagné? Et pour comment yo te capable jouer une solution parce qu'on connaît nous là nous pas régler rien, c'est moun k'ap fait pour nous. Mais l'arrivo dit me comme ça c'est la police avec la justice qui dans tête langue a grandi. Pour qui sont pas révoqué chef police là? Révoqué mini justice sont quitté au live pour dire c'est eux même qui dans tête langue. Mais où est la responsabilité monsieur premier ministre à la traque pour la vécaité dans pays d'Haïti? Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti pays spécial. Haïti spécial, vrai, bagay la tellement difficile, mais kabrit la gen a monte bras. Moko chom saisi comme ça. On regarde des vidéos ça ensemble. Eh! Mes amis, oh, nos frères et chom saisi, m'saisi. Mais kabrit nan monte pied bras koun ya. Yo te kon souvent dit, sak de fauchin kabrit a la chasse. Et même rappelé m'don ti histoire. Chat qui t'a monté cabrit,
monter pied bois, de quoi l'aile ouais chien pour le kakouri. Eh bien, qui ça qui passait? Kab, chat vini premier jour, elle fait cabrit lever deux pieds, elle met en l'air. Elle commence à faire cabrit lever de l'autre pied, yo. De yo, pour que elle soit capable de monter pied bois. Oh, oh. Quand y a là, cabrit qui prend le contrat chien, il dit chien comme ça, ouais, papa. L'autre semaine, non, là, ma fin fois net, net dans la ville, là. L'opin, c'est wap kakouri de m'vouken bem, ma monte pied bois. Quand y'a chien dit, comment on va monter pied bois? Cabrit ou qu'on monte pied bois? Il dit, ah, ah, n'entraînement la frère, n'entraînement, chat, monter pied bois. Il dit, vrai chat? Il dit, oui. Il dit, mais ok, pas de problème. Quand y'a là, chien, allez, coach chat, il dit, m'bran nouvelle, oui. Chat dit, qui nouvelle? Il dit, oui, après monter cabrit, monter pied bois, qu'on y'a. Ou tellement pas de travail, pour faire ces cabrit, ou à montrer, pour le monter pied bois. M'a jamb pas sauté dans état ça non mon chéri. Chat tellement nerveux, li aller côté cabrit, li dit cabrit comme ça ouais, c'est raceta. M'a pas montré ou monter pied bois encore non parce que côté ça nous gétan fait là, langue ou tellement long, ou gon bouche cabrit, en même ton cabrit ou gétan ou al parler bien, chien vinn pote m'plète. Malheureusement, m'pap ka continue montrer ou monter pied bois encore parce que moi, si m'fin montrer ou ap vin trop pour moi. Mais moi, même m'pap ka parler ensemble avec ou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est depuis les ça. Chat tout suspend montrer cabrit monter pied bois. Donc, ou capable ou par son côté ou on cabrit qui lève deux pieds seulement pour le capable prendre un branche bois pour le manger. Mais, fin monter pied bois, li pas capable. Donc, moral histoire, c'est que, lè que goun moun k ap fon bagay pou ou, lè que ou gen ou aktivite ou ap antreprann, avant même ou commencer parler, fò fin meto chita. Gen de bagay que ou ap fè nan la vie, fò suspann mache parler, la bloke. Gen de bagay ou moun ap fè pou ou, fò suspann mache fè jolè. Ou ka bloke délivrance. Donc, eh bien, mes koze ou frèz et sœurs, kabrit k ap monte pied bran nan peyi d'Ayiti, m sezi bagay sa. Avè di la ou, eh. Bagay yo extrêmement compliqué. J'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des sentiers, Haïti démocratie, la république des coquets, c'est le volet au cabrité. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais aller quitter on pas papa manger parce que c'est lui-même seul qui est capable de protéger ou bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Foucault et n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous, bisous. One love.